Est-ce que effectivement président Jovenel Moïse a besoin de justice? Dans qui point dossier aillé? Jean en pile monde capable de constater même Jean avec moi si c'est pour Ariel Henry à toute équipe li, Jovenel Moïse pour qu'on même mourir qui dirait c'est justice pour ta jeune. Nous portons pas quatre vérités pour dans vidéo ça. Sous dossier insécurité avec dossier président Jovenel Moïse là. L'état forcément difficile. Parce que clan qui était monté pour assassiner le président, il était bien monté et il a un pile gros bois de bananes. Non, Michel Martelly pas épargné. Il y a un coup Reginald Boulos, Dimitri Vob, Neg Sayo, il est impliqué juste dans le dossier assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ça qui fait ouais, quand pile nèg jusqu'à présent et il montré, il a participé dans tout le président, nèg yo marron. Yo pas jamais tourné dans le pays depuis après assassinat président Jovenel Moïse là, si tout yon nèg tankou Reginald Boulos qui pas jamais reté dehors, et bien depuis après 7 juillet, monsieur dehors, bien que en pile monde dit monsieur était dehors depuis avant 7 juillet, et bien c'est 7 juillet qui provoqué jusqu'à aujourd'hui yon nèg tankou Reginald Boulos pour que jamais tourné dans le pays. Nous pas inviter mesdames et messieurs pour nous tendre qui Jean nèg Haïti méchant. Qui j'en ai monté complot et comme ça yo nèg yo monté complot pour tuer le président Jovenel Moïse là, c'est si comme ça yo t'es capable faire un pile bagaille si tout dans insécurité ça qui a bouillonné de jour en jour dans pays hein, et ben t'es capable détruire gang ça yo qui formé tout partout dans quatre coins pays d'Haïti. Ou gagne diagnostic maladie qui c'est insécurité. Comment maladie ça est qui j'en l'a infecté pays a qui est-ce qui la donne, qui côté l'a infecté, qui monde qui est victime. Deuxième partie question, c'est qui guérison pour maladie qui relève l'insécurité. Pour m'aller très vite, c'est que l'insécurité a passé peut-être 3 ou 4 phases. Première phase là, c'est en 1995. Les Aristide crasé l'armée, ils formaient l'armée Dimanchette, l'armée rouge, l'armée rate, dominant bois, balé ouzé et la trier. Ça, c'est premier GR. Gang yo pral évoluer à partir de 2005-2006, les Aristide vin perdi fil. Koulia, c'est oligarque Pétionville yo, Cabral prend contrôle gang yo. Et Clifford Brandt, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Reginald Boulos. Puis devant, oligarque Pétionville yo, pour renforcer gang yo, n'en fait chef de gang tourné parlementaire. Par exemple, yo prend Kato, yo fait le sénateur, yo fait John Joel Joseph, vin sénateur, ou son député qui n'a mis en chambre député à Tézi, il habite tué moun, l'habitué raché moun, député Printemps Bélisé, qui c'est chef gang, Grand Ravine, et l'autre sénateur nous vient découvrir qui n'a gang. Ça, c'est troisième phase là. Quatrième phase là, c'est les conseils de leaders politiques traditionnels opposition al servi à gang pour faire pays loc. C'est pendant pays loc là que le conseil de gang qui vient découvrir, si on a fait ça pour politiciens, on a fait ça pour tête yo tout. Donc, c'est ça qui vient bon environnement gang journée aujourd'hui. Gang qui n'a Matissan yo, coordonnateur général là, c'est Dimitri Vob. Et M. coordonnateur Fantôme 509 tout. Gang qui dans Cité Soleil, Iska, Ti Gabriel, Ti Ougan qui est touillé, et Branche G9 qui dans Simon Pelea, ils dépendent de Reginald Boulos. En même temps, sous besoin garder et découvrir affiliation gang, il est facile pour joindre ça sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter. Parce que chef gang yo pas aller. Par exemple, on est un barbecue, sous vidéo, l'explique. Yo il a torti convoyé 15 bali à $30,000, Reginald Boulos convoyé $50,000 bali avec motocyclette, même Jantou, ou tant de vite l'homme qui a parlé, et ouais, Lidou Clément, à qui est-ce que l'affilié qui politicien convient la caille? Donc c'est ça que réalité gang nan. Jodia, pendant n'a parlé là, on parti nan gang yo, c'est Ariel Henry t'a coordonné. Avant d'arriver avec Ariel Henry et Stanley, pour ne pas oublier ça, vous faites référence avec les VOB, mais pas oublier les VOB là, c'est pratiquement, vous êtes proche, ancien président Michel Martelly, que vous-même, vous êtes servi honorablement. On dit que vous parlez tout de G9 yotou, et G9 nous rappelons sous présidence la Jovenel Moïse, côté qu'on observe Jovenel Moïse, vous rappelons que G9 te fait connaître que, eh ben, vous avez un payroll qui vient jouer normalement, un sous, et président Jovenel Moïse là. Moi, je n'entendais aucun audio côté Ozio fait payroll, Jovenel Moïse, ça a son bail qui est opposition, a été monté de toutes pièces. Et les présidents viennent mourir, nous est clairement à qui est-ce que l'affiliation G9 l'a été faite. D'ailleurs, le fantôme 509 à l'attaqué business régional Boulos, c'est G9 qui était venu défendre Boulos. Donc, ça a un très clair. Donc, et Ariel Henry lui-même, et depuis... On va dire, il est sous les VOB, vous mettez continuer. Non, mais Vobio, moi, dans le livre Zombie Falsa, c'est Vobio qui prend Gang Cité Soleil, Calmete au Carrefour et Matissan avec Neguiniteo. Il écrit dans le livre qui est les Zombies Fals, pour Blanc écrit. Blanc qui écrit le livre là, c'est monsieur qui est chef intelligence ministère dans le pays d'Haïti. Et monsieur qui écrit le livre là disponible sur Amazon. C'est-à-dire que Dimitri Vob dans gang depuis l'époque Opération Bagdad, côté c'est lui qui est chef Opération Bagdad pour Aristide. Depuis les Sahara, ou bien Bilat Pétionville qui n'en gang. Pour y sur Ariel Henry, al garder et lettre de démission Daniel Fouté publié en septembre, garder dans le deuxième paragraphe lettre de démission, ambassadeur américain qui t'envoie spécial américain, les dit clairement dans lettre là, dans le deuxième paragraphe, là, ça Ariel capturé gang yo. Et qui est capturé gang yo pour Ariel? C'est le ministre de l'Intérieur Alice Kittel. C'est monsieur qui est impliqué dans le kidnapping de Pasteur Ferret. Nous connaissons tout, Bertou Dossé dans la gestion gang yo pour Ariel. Il ne faut pas oublier que non seulement Bertou Dossé changé non, mais monsieur son nègre, l'LT juge de paix, il passé 6 mois en prison pour trafic de drogue. C'est monsieur Dimitri Vob et mettez avec Ariel comme ministre de la Justice pour venir régler l'affaire Sogenel et affaire la justice pour lui. Donc, je dis à nous connaissons qui est capturé gang yo. Alors Lucas, une partie ça parce qu'on pose mon question déjà, bon finir répondre question. Donc deuxième partie question, c'est qui solution à gang yo. Nous craser en tant que pays gang yo en 7 semaines. Mais la police pas qu'à faire pour contre lui. La police besoin support Brésil, il besoin support Mexique pour craser gang yo dans pays d'Haïti. Je dis après je parle avec vous là, pour capacité de feu et de mobilité que gang yo gagne, la police pour contre li baka. Donc, aucun ministre sécurité institutionnelle brésilien qui sont anciens commandants ministères, c'est monsieur qui écrasé gang yo en 2005-2006. Si nous parlons avec lui en tant que pays, la bonne nous coûte même pour craser gang yo. Même dans tout Mexique qui est habitué à craser drogue avec gang, Mexique qui a bon un bon coup de main là-dedans. En 7 semaines, nous avons crasé tout gang qui est dans la zone métropolitaine. Alors, on anticipe sur question ça, m'bout que j'aime arriver dans la solution avant, parce qu'on a fait exposition d'abord, pour nous tomber dans la solution. Oui, justement. Et sous bon accès, on a tourné, on t'y crasse tout à l'heure sur solution. Comme on t'a pas entré dans le détail, on t'a parlé de Bertou Dossé, et intérieur tout, et qui est-ce qui mettait yo. Mais parallèlement, on apprend tout, on connaît que grand pile bruit qui a couru tout, c'est Michel Martelly, et qui mettait Ariel Henry tout, et Stanley. Bien sûr, et gouvernement qui l'a, c'est Martelly, madame Lalim, qui mettait gouvernement ça, qui l'a. Et c'est Ariel Henry qui met elle. Qui est-ce qui va contre ça? Ça veut dire que son gouvernement qui gagne là-dedans, Martelly, tête PHTK et SDP, li gagne là-dedans, Piscine Dessalines, li gagne là-dedans, MTV, et Parti Bouloslan, MTV, gagne densification, mouvement tout volet ou bien mouvement toute violence. Et nous connaissons qui est-ce qui est dans la coalition assassin, qui est dans tête l'État. Alors, dans le même aspect ça, et nous connaissons tout, et peut-être que gain non ancien président Michel Martelly qui t'a impliqué, cité dans la mort Jovenel Moïse, certainement où fait, certainement où parler de ça déjà, mais qui est que tu fais de ça, comment comprendre information ça ou même, sous bon accès montré là-dedans. Ouais, mais moi-même, m'pas prendre Mosso pour me quitter Mosso, faut me boire tout. 9 mois après, qui est-ce qui touillait? Président Jovenel Moïse. Il y a 2 catégories de monde qui participent dans tout le président Jovenel Moïse. Et une 3e catégorie, c'est complice qui a protégé les criminels pendant 9 mois qui passent. Dans la première catégorie qui touille le président, ou bien blanc, étranger. Dans le temps blanc, ou bien blanc américain. Dans le temps blanc américain, ou bien blanc qui n'a compagnie CTI qui a recruté soldats colombiens. En même temps, tout, bien blanc qui a fait des autres pailles, sans président Biden pas au courant, sans secrétaire d'État Blinken pas au courant. Parce que l'on regarde des tweets John Joel Joseph là, qui est toujours là sous Twitter, sous compte lui. Le 6 février 2021, M. Doul recevra l'autre département d'État pour le président. Qui blanc dans le département d'État, qui bat M. l'autre ça. Alors que le président Biden, avec le secrétaire d'État américain, ils ont même, ils étaient là, ils ont demandé de respecter le mandat président Jovenel Moïse. Il faut nous joindre blanc ça. Deuxième catégorie étrangère qui touille le président, c'est Colombien. Il y a 20 qui nous marrent, il y a 3 qui nous touillent. Est-ce qu'il y a un qui sauve? Est-ce que nous marrons tout le monde? Est-ce qu'il y a un qui implique? Nous faut qu'on ça, faut nous chercher. Il y a 2 Dominicains qui participent dans tout le président. 2 bourgeois dominicains. C'est eux-mêmes qui baillent soldats colombiens avions pour de Saint-Domingue rentrer en Haïti. Pour que ça vous qu'on nous 2 bourgeois dominicains qui participent dans tout le président. Il y a tout et Madame Lalim. Madame Lalim pas qu'à au courant. Madame Lalim, pas capable au courant que vous avez tué le président. Question que nous n'avons pas de réponse à lui-même. Est-ce qu'elle implique directement dans tuer le président ou bien il est au courant et puis il propose pour Pilatlil qui est criminel en fait. Aïe pour blanc qui participer dans tuer le président. Qu'il y a dans les nationaux. Parmi les nationaux qui tuent le président, ou bien oligarque Pétionville, ou bien Sami Andal, ou bien Odolja, ou bien Reginald Boulos, ou bien Dimitri Vop, ou bien Jean-Marie Vop. Est-ce qu'il y a l'autre Milat qui participe, Milat Pétionville, qui participe dans tous les présidents? Par contre, reste non, il faut nous identifier. Après ça, il y a des politiciens traditionnels qui participent dans tous les présidents. Ou bien des dignités, Badiou Joseph, ancien sénateur Initea, John Joel Joseph, premier ministre qui l'a, Ariel Henry, participe dans tous les présidents. Ou bien tête PHTK qui participe dans tous les présidents. Particulièrement, Michel Matéli participait dans tous les présidents, Michel Matala, ensemble à Beaufreli, qui co-Saint-Rémy. Ou bien juge, dans le coup de cassation, participait dans tous les présidents, Yvikel da Brésil avec Wendell Cook. Ou bien policier qui impliqué dans tous les présidents, dans CATSIM, dans USGPN, USP, Yoguet en Bakot, dans le commandement général de la police, c'est Marie-Louise Gauthier. Il y a 2 hauts gradés qui est Marie-Louise Gauthier. C'est qui est-ce qui est? Faut nous identifier. Qui est-ce qui caché derrière Marie-Louise Gauthier? Comme inspectrice générale, il est trop petit pour monter gros blanc ça. Donc, ça, c'est le monde qui participait directement dans tout le président. Pendant 9 mois, assassins ont bénéficié de complicité dans CSPJ. Ariel mettait 6 membres dans CSPJ pour faire blocage. Dans le coup d'appel, on juge que les CRS Paul. Dans le tribunal de première instance, avec Bernard Saint-Ville, dans le coup des comptes, avec Rogaville Bois-Guéné, où il y a 3 militants de droits humains qui ont protégé Negio, Madistin qui a protégé Boulos avec Pierre Espérance, et puis Gédéon Jean qui a fait complot pour réinstaller de juges coup de cassation, malgré des CPJ qui fait rapport pour montrer qu'il est impliqué dans le crime. Et puis, pendant 9 mois qui sont passés, nous venons découvrir 3 catégories de journalistes qui viennent dans le pays. Journalistes engagés, cap gourmet pour président, joindre justice et pour pays à changer. Journalistes indépendants qui bon l'envers en coulant droite nouvelle et journalistes prépayés. C'est des journalistes qui ont touché dans mes oligarques, dans mes Ariel, dans mes Reginald Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, Michel Matelia, Kiko Saint-Rémy pour orienter nouvelle. Donc c'est là nous y avec enquête pour tous les présidents. Motif qui fait que tout le président, c'est motif économique, parce qu'il t'a retiré griffe l'État, griffe oligarque sous l'État, oligarque qui t'a volé dans ONA, oligarque qui t'a volé dans APN, oligarque qui t'a volé la douane, oligarque qui t'a volé dans Blackout, dans Sifacturation Route, dans BMPAD, oligarque qui t'a volé dans produits pétroliers. Donc, étant donné que le président Jovenel Moïse a coupé, tout côté ça, il a volé dans l'État, il a tué pour ça. 2 raisons politiques qui font tuer, c'est parce que le référendum n'a fait pour craser le système, et il n'a pas de l'élection législative et présidentielle faite pour 51e législative, 59e président prêté serment, parce qu'on connaît que c'est dans la transition que tout gros contrat toujours sien pour l'oligarque. Alors Stanley, m'pa ouais, m'li en pile et m'pa connaît même poko ouais aucun côté yo rale non original Boulos dans la mort Jovenel Moïse là. Peut-être second article. Faut pas oublier même, c'est journaliste souillé, faut pas oublier bagaille. Ça li là, le 7 juillet le matin. Ou te gen des soldats étrangers qui sorti Colombie qui viennent touiller président pays d'Haïti. Le 7 juillet le matin, c'est pas ni la police ni la justice, ni l'armée qui marie soldats colombiens, non? C'est peuple haïtien qui marie soldats colombiens, oui. Et ou bien vidéo 7 juillet le matin. Dans 7 juillet le matin, qui est ce peuple là qui va le chercher? C'est Boulos qui va le chercher, oui. Et je dis à qui, comment réaction comparativement à j'ai réagi le 7 juillet? Je poser tout. Question qu'on doit poser tout. Si Boulos n'est pas dans complot pour tuer le président, comment faire le 6 juillet? On joue avant le tout le président dans Washington, l'a fait des marches pour mettre un président provisoire. C'est pas dans tout le président qui j'en non, moi, j'ai information, c'est ou même qui gagne lit parce que je suis pas au courant et que je suis pas au courant. Non, le 7 juillet le matin, ou pas une vidéo côté peuple à la chercher Boulos. Non, des pétitions, vous me clair, peut-être même l'autre bois ou mais peuple a cherché Boulos, mais dans le rapport qui sorti, ou suivez événement très près, ici l'autre bois, mais nous pas ouais comme si aucun côté non Boulos sorti dans le mois ça. On allez, Stanley. Bon, m'explique, Oli. Je veux dire, système judiciaire noir pourri juste dans zo. C'est 3 oligarques Pétionville qui contrôlent le système judiciaire. Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob. Qui est-ce qu'elle prend Joseph Mécène, on juge dans le coup de cassation, pour émettre l'Iba André Michel pour la faire discours comme quoi le président provisoire le 7 février, malgré ça va exister dans la Constitution. C'est Boulos qui remet l'Iba André Michel. Qui est-ce qu'elle prend Ivikel, da Brésil, à Wendell Coq, Météo dans le tuer président, oligarque Pétionville. Qui est-ce qui gagne contrôle coup d'appel? 3 oligarques Pétionville. Qui est-ce qui gagne contrôle tribunal première instance? Cap téléguidé et Bernard Saint-Ville. Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob. Mafia judiciaire qui n'a coup de cassation, qui n'a CSPJ, qui n'a coup d'appel, qui n'a tribunal première instance et n'a coup de compte, c'est 3 mafias Pétionville, oligarques Pétionville qui contrôlent le système judiciaire. Pas pour qu'il y ait justice dans le pays d'Haïti. Tout autant que ou pas mal oligarque corrompu. Stanley, tout le monde connaît que Reginald Boulos, il était en face Jovenel Moïse, c'est en opposition avec lui-même. Mais m'a rappelé pour encore parce que c'est une réplique que m'te voulais faire à partir de ça que vous dites parce que son interview m'a mené, m'a dit que moi te voulais faire connaître que pas gain aucun rapport, diverses organisations droit moun dans pays a sorti rapport, gain une toile internationale, beaucoup ouais on article côté li sorti, non Reginald Boulos lui-même li sorti là-dedans. Donc, et question m'ta va poser à partir de réplique ça et Stanley on allez. On allez. Qui est-ce qu'avocat Boulos? C'est pas Samuel Madistin, président Fondation J'éclairé. C'est pas même Samuel Madistin qui toujours a réglé affaire Boulos dans le coup des comptes et dans le système judiciaire. Faut être sérieux, monsieur, les n'a discuté bagaille. Système judiciaire pays d'Haïti pas indépendant. C'est 3000 à Pétionville qui contrôlent. Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob. D'après vous, pris en peuple dans l'aria, la demandé arrêter Vob, arrêter Boulos, et puis système judiciaire qui connaît que n'est impliqué dans tout le président, il a caché pour eux depuis 9 mois. Est-ce qu'on lit un article et organisation de Amounio sorti ici qui cite Boulos, ou du moins est-ce qu'on m'a très branché à l'étranger tout, ou est-ce qu'on a un article New York Times, CNN qui cite les droits humains à travail pour Boulos. Et à l'étranger. Vous posez une question, permettez-moi de répondre. Qui président Fondation J'éclairé, c'est pas avocat Boulos. Oui, on dit déjà, oui, tout le monde connaît ça. Permettez-moi, c'est vous qui posez question, il faut entendre des réponses là. Et Pierre Espérance, c'est pas pour Reginald Boulos qui travaille, et pas Reginald Boulos qui te voit Pierre Espérance 2 semaines après au tout le président, dans Radio Vision 2000, il m'a dit qu'il a rejoint 40 millions de dollars américains qui est président, alors que constat démontré c'est 40 000 dollars. C'est pas même Boulos qui a voyé le bail sous Martine, c'est même ça. Alors, question c'est pas la liée, puis liée, Stanley. Question liée dans sac sortio, pas gain indice qui rivait à Reginald Boulos. Regardez, question à côté liée, Élysée, c'est que Étant donné que oligarque yo met un système de monopole économique, radio nan men nèg yo, et la justice nan men nèg yo, kou des comptes nan men nèg yo, des bons radio sorti pour parler de Boulos, pour parler de Dimitri Vob, yo retire publicité. Et comme ça bagay la yi. Et pour ça conseil des nèg dans pays a, yo peut parler de Boulos, yo peut parler de Dimitri Vob, à Jean-Marie Vob. C'est parce que nèg yo mettait une économie qui ta sous monopole. Côté au contrôle toute bagarre économique yo, de plus en plus il est difficile pour joindre nos radio indépendant, pour joindre droits humains indépendants, pour joindre un système judiciaire indépendant. C'est parce que oligarque Pétionville yo tellement arrogant, yo arrivé tout yon président et puis yo pas vouloir parler de ça. Alors Stanley, le ou cité Michel Martelly et il y a plusieurs autres monde qui cité lui et qu'on a là comme monde qui travaille avec Michel Martelly, même je travaille avec Jovenel Moïse. Est-ce qu'on pas penser que proche collaborateur Michel Martelly tout et même si qui pas impliqué de près mais qui t'a complice dans assassinat ça? Mon cher, dans toute enquête qui menait, moi même pas croire que base PHTK impliqué dans crime là. M'pa kwen gen dirigeant PHTK ki impliqué dans crime là, gon bay ki clair selon enquête que journal américain Washington Post, New York Times fait parce que journaliste haïtien peut faire enquête sous gros nèg yo, et ben deux journal ça rejoignent clairement que matériel avec Beaufrel qui concerne Rémi impliqué directement dans tout président. Alors là ou fier avec dernier rapport RNDDH là et Pierre Espérance qui parlait de ça. Pierre Espérance corrompu jusqu'aux os, c'est pour Boulos que la travaille. Patron Pierre Espérance, c'est Jocelyn Privet. Patron Jocelyn Privet, c'est Jean-Marie Dimitri Vop. C'est Jocelyn Privet qui te bat Espérance, chèque dans BMPAD. C'est Espérance qui retire tout rapport qu'il s'est fait sous Privet, sous website, pour être comme BMPAD. C'est pas une crédibilité qu'on a avec Espérance même. Alors, maintenant qu'on a la fait connaître que les gens gros menace la mort sous tête li et ils sorti au côté Michel Martelly. Pas un mot? C'est la corruption, c'est une menace sous tête li. Comme ça, là. Et qu'on a là et là m'était besoin arriver de insécurité avec la mort Jovenel Moïse et est-ce que d'après vous même vous dit là que justice là non mais on sait de groupe de négociation non là et qu'on a là Jovenel Moïse pas de faire rien pour te corriger ça là d'ailleurs il te déclaré même Jovenel Moïse président négoligac Pétionville yo tellement capturé l'état yo fait mandat contre Jovenel pas même au courant de ça négoligac yo pendant Jovenel Moïse c'est tellement mais ils ont tellement contrôlé le pouvoir judiciaire. Pendant Jovenel Moïse président, ils ont voyé et Joseph Messen a fait un discours comme quoi le président. Ça montre au contrôle que les oligarques ont gagné sous le pouvoir judiciaire. Pendant Jovenel Moïse président, les oligarques ont voyé Jean-Wilner Morin avec un Allemand, a fait 3 tentatives coup d'État dans le pays contre le président. Ça montre que le pouvoir judiciaire n'a pas de jambe dans le président. Non, mais Jovenel Moïse te dit que lui nommé quelques juges corrompus et ou l'autre dit que lui pas de contrôle de justice là tout. C'est pas en honte pour vous-même qui te servi Jovenel Moïse loyalement? Bon, président Jovenel Moïse, qui travaille, qui fait au-dessus, c'est parce qu'il t'a retiré l'État en bas griffe oligarque. Oligarque a capturé les 3 pouvoirs de l'État. Ils ont capturé le pouvoir législatif là, sous 28 sénateurs dans la 50e législature, oligarque a contrôlé 20. Dans 10 sénateurs qui là, que le mandat est fini depuis le 10 janvier, oligarque qui ont contrôlé 7 à un pouvoir législatif là. Dans le pouvoir judiciaire, nous sommes expliqués comment depuis 20 ans, c'est oligarque Pétionville, Milat Pétionville qui a contrôle cour cassation, qui a contrôle cour d'appel, tribunal première instance et cour des comptes. Vous voyez, 50% comme Petro-Caribéa passé dans blackout et passé dans six facturations route à pont, est-ce qu'on est non négligent dans le rapport Petro-Caribéa? Ça montre que les gens contrôlent l'État. Il y a un temps pouvoir exécutif. Les Jovenel travaillent pour retirer le pouvoir exécutif en bas griffe, ils ont tout les Jovenel. Alors, même ça, il y a plusieurs âmes qui t'a passé. Ah, très bien, Stanley. L'assassinat, ça, c'est pas le moment, c'est assassinat. Ok. Dans l'assassinat, Jovenel Moïse, là. L'homme malade ou mourir, Stanley. Non, d'accord, voilà. L'homme d'accord, à 100%. Ok. Dans l'assassinat, Jovenel Moïse, là, il y a des âmes qui sortit l'autre côté, qui rentrent dans le pays. Mais il y a des gens qui disent que si depuis avant ça, Jovenel Moïse te combat comme si contrebande pour Zamba rentrer dans l'aéroport, dans l'aéroport. Donc, Zamba, ça va pas rentrer pour devenir tout Jovenel Moïse. Qui donc les victimes de l'insécurité que le pas fait rien pour lui. Ah, moun ka passer comme ça, moun ki pa konn dossier ou pas ouais combien cargaison zam yo servi sous Jovenel. Jovenel tellement commencé travail pour servir pour saisir zam. OK? Que l'Elgade le manque d'informations pour saisir les amis, il va créer une agence nationale d'intelligence qui vous permettre de joindre plus d'informations. Qui est-ce qui est campé en face à l'agence nationale d'intelligence? Ce n'est pas Dimitri Vop, ce n'est pas Pierre Espérance, ce n'est pas Gédéon Jean, même Nexaïo. Je dis à comment comprendre tout, Dimitri Vob qui, M. Bertodor, c'était avocat Dimitri Vob, et je dis à c'est lui-même qui est en tête la justice là. Pas seulement avocat Dimitri Vob, il est avocat Sojourner, il est avocat Ariel Henry, donc, vous comprenez ça qui a passé là. Nègyo te mette, parce que, non seulement nègyo mette Bertodor, nègyo mette Josué Pierre lui tout, pour le faire comme complice pour eux en dedans. Par exemple, José Pierre lui, avec juge d'instruction Hickenson et Dumé, deux frères qui ont été mis Hickenson et Dumé pour aller rebailler Dimitri Vob, tout côté le tap volé en vent dans l'État qui est président découpé. Même Jean Tuyo remettre par Hickenson et Dumé un dossier pour le fabriquer, pour le détruire Martin Moïse. Là, nous découvrons, monsieur obligé de déporter tête lui. Et deux frères, Hickenson et Dumé à José Pierre lui, c'est beau-frère assassin président John Joel Joseph. Grand pile, on a posé question, est-ce que c'est Hickenson et Dumé à Josué qui fait John Joel Joseph sauver à Jamaïque? Je dis à Gary Aurélien qui était sur le dossier, au compte scandale qui est déjà, il parle sur le dossier encore. Je dis à un juge Merlan Bella, malheureusement, qui n'a pas avancé avec le dossier ça parce que il y a moyen pour qu'on joigne. Vous pensez justice Jovenel Moïse, pas pour jeudi à? Gary Aurélien, non, mais vexé mon ça. C'est côté patriotique et nationalisme, c'est journaliste américain qui a sorti deux audios qui montrent que juge d'instruction Gary Aurélien, après enquête, ouais clairement Ariel impliqué dans tout le président et qui est-ce qui est Ariel. Mais le problème qui vient de arriver, il y a tellement d'oligarques qui ont payé un série de journalistes prépayés, le juge n'a pas fait journaliste confiance, l'oblige à parler à un journaliste étranger. N'a pas bagaille fixé comme ça. C'est journaliste haïtien qui doit faire enquête. Joindre tout le monde qui touille président. Ce n'est pas journaliste étranger qui doit. Deuxième bagaille là, tout le monde connaît que Merlan Bella, c'est bras droit de Josué Pierre lui. Avant, monsieur sorti un papier là, côté lui dit Gracia Delva innocent. Est-ce que Gracia Delva innocent tout bon ou bien est-ce que ça a lâché papier? Donc, pour question 1, justice Jovenel Moïse pas aujourd'hui. Son combat qu'elle y mène, son marathon qu'elle y est, bon 100 mètres. Avec dit que côté nous, il y a là, aujourd'hui, à Élysée, après 9 mois. Nous ne pouvons pas douer jamais arriver là, non? Il ne faut pas oublier qui s'est planté à Élysée. Nous devons tout le président Jovenel Moïse le 7 juillet, ou tout rentrer dans le palais. Même côté où rentrer dans le palais, pas de gagner. Toute bagaille était finie. Pas de gagner, pas de gagner. Qui s'est sauvé souveraineté nationale pays et dignité nationale pays le 7 juillet? Nous devons ce peuple qui sorti, calme, les soldats colombiens. Depuis là, tout criminel est entré dans Maron le 7 juillet. C'est ça qui permet enquête de CPJ vient faite, enquête commissaire Bedford Claude vient faite, enquête journal américain faite, enquête populaire vient faite, tout oligarque qui est impliqué dans tout le président, que la justice, que les journalistes a protégé la trier. C'est qu'on m'a dit, ça n'a pas cherché dans le pays à Élysée, l'égalité des citoyens devant la loi, il n'a pas existé. Lorsqu'on dit nèg noir, on dit femme noir, tête green, non seulement il a pas arrêté, il a mis en détention préventive. Laissons mis la question ville qui n'a crime ou pas même qu'à citer non dans la radio. Bagay ça doit changer dans le pays. Oui, président Jovenel Moïse a besoin de justice parce que côté nous il est là après 9 mois, c'est normalement Jean Négioté fait là, nous 4 ans qui doit passer, nous pas côté nous il est là aujourd'hui après 9 mois. Après 9 mois, tout assassin tout tourné dans l'arrière. Alors, pour nous quitter le dossier, ça, et pour nous prendre un petit politique pour nous finir, et gain en dernière information qui sorti là, à côté que gain 20 millions de dollars américains qui t'a embrassé dans la banque dominicaine pour t'a participé dans le crime, ça. C'est pas vrai, mon cher. Moi, t'es bye-bye là depuis le mois de juillet. Quelle information gain? Regardez, pour monter une opération comme ça, vous dépensez à peu près 20 millions. Transfert, premier transfert qui fait là, il fait en janvier 2021. Donc, banque pays d'Haïti a une banque qui sous sanction internationale en Argentine. C'est une blackout qui fait premier transfert, qui a servi à une femme qui était ministre en 2013. Ils sont venus avec Saint-Domingue et diversion. Il ne faut pas oublier que depuis Ariel entré, ils bloquaient l'enquête des CPJO, ni Ariel ni Matéli a fait pression sous la police, ensemble à Dimitri Vob et Réginald Boulos pour enquête à avancer. C'est pour ça. la police, enquêteur de CPJ, a laissé entrer dans l'Office national d'assurance pour joindre plus d'informations, ils ont bloqué. Les chercher garder dans la Banque centrale qui transfère fait, ils ont bloqué. Dans toute institution de l'État qui enquêteur de CPJ, Ariel Matéli, Vob Boulos bloqué. Et c'est pour ça que mon paquet d'enquêteurs de CPJ qui est sous dossier, n'est tellement peur, ils ont quitté le pays à l'étranger. Alors, me rappelez moi d'appli article là, malheureusement oublié non, c'est une grosse autorité dans la République dominicaine qui fait déclaration non émission et me recevoir dans espace invité ça même et M. Newton Saint-Just qui même écrit on procureur dans la République dominicaine pas songer non du tout, c'est on dame et écrit yo pas bon aucun nom men. Ouais pas la sous bluff men. Pour qui ça nèg yo pas regarder dans BRH, transfert fait en janvier, premier transfert. Sous base premier transfert ou va joindre tout l'autre monde qui est impliqué à tout l'autre transfert qui est fait en dedans qui est au dehors pays. Pour qui ça premier transfert qui fait en janvier 2021 les gars fait diversion sous lui. Non, la diversion comme si par exemple comme vous brasser dans banque yo dans voisin ou du moins comme la toi petit pas comprendre et réponse avec question ça. Premier transfert qui fait pour complot pour tout le président, il fait en janvier 2021 donc banque pays d'Haïti à banque en Argentine qui était sous sanction internationale. C'est nèg blackout qui fait transfert. Yo servi avec un nom, femme qui était ministre en 2013. Pour qui ça a toute diversion ça, yo pas vle bay DCPJ information ça.